La parole maintenant au sénateur Dumont. Merci beaucoup, Président. Président, membre du bureau, je ne connais pas si il y a un communiqué qui te fait connaître que il y a un responsable marché qui a démission, par exemple. Est-ce que le secrétaire d'État de la sécurité publique a démission? Est-ce que le chef de la police a démission? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a démission? Est-ce que le premier ministre a démission? Par contre, qui s'est passé entre le ministre de la Justice là et le commissaire Daméus? Mais le commissaire Daméus a écrit lettre de démission. On lui a demandé de retourner sur sa décision. Il est retourné sur sa décision. Mais il était bail démission, sans doute c'est parce que le combat était grave. Pays a pris deux différents majeurs. Et puis on dirait, pas que monde qui est responsable. Il n'y a pas de civilisation sans sanction. Je répète, il n'y a pas de civilisation sans sanction. Nous pas des sauvages qui la gagnent en jungle Amazonie. Nous sommes des gens qui se sont donné une civilisation. Nous sommes dans une civilisation. Guillaume Bagay, que trois docteurs qui sont dans la salle là qu'on est, plus que tout le monde, connaît. Docteur Cantabre, je le cite d'abord parce que, je cite son nom d'abord parce que c'est un collègue. Ensuite, le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, et Madame Gina Joachin. Aidez-moi. Je ne savais pas que le ministre de l'Intérieur était médecin. Non, docteur Gillot ne fait pas partie de du cadre de travail. Docteur Gillot, secrétaire général, que je connais comme docteur depuis longtemps, ils tout connaissent donc que prévenir vaut mieux que guérir. Heureusement que chef de la police là baille deux, trois éléments qui t'a assemblé avec prévention. Mais, mes amis, on sauve le pays. L'aime dit on sauve le pays, m'a parlé de terre. L'aime dit on sauve le pays, m'a parlé de monde qui a vécu dans le pays. Gon paquet de sous qui baille du feu. Gon paquet de monde qui tend des paroles là déjà. Soucieux, sans doute, il y a monde dans la salle là qui connaît au passé. Parce que, ou bien c'est eux-mêmes qui bambre yo, ou bien c'est monde qui semble avec eux, c'est-à-dire qui a même métier avec eux, même activité avec eux, qui bambre yo. Drogue dealer mettait du feu dans le marché tout. Géyoun qui l'a pour le serrer. Et puis il prend lui. Après ça, il mette du feu là-dedans. Et puis il fait qu'on est, c'est du feu qui prend. C'est dans du feu, là. Marchandise, là, que tu es serré. Faut que tu courage pour nous affronter, pas qu'on a pas ici. Qui parle de. Yo t'as soudé dans le marché, là. C'est direct marché, que tu as soudé dans le marché. Ça t'a soudé, là. Faut que c'est bois pour le tapsou de vrai. C'est ça, nous, les négligences là. On te montende, et tel ouvert pour une gasoline. L'on paraît, ou on paquet de galon, et puis Michel Gombaga, il a vendu une gasoline. On sait ça, sécurité publique là. Moun qui direct la sécurité publique là, c'est de la sécurité publique là. Mais qui j'en pour sécurité publique là? Comment nous faire parler de sécurité publique? Quelle responsabilité nous y est là? Des gangs qui mettent marché yo. Diffé prennent quoi au sale. Yo identifié gang yo. Parce que gon gang qui bat de l'autre gang et puis le chef et puis de l'autre yo mette diffé. Jusqu'à ce que gon l'autre qui bat gang qui dégage aujourd'hui a, lui même lui pral en déroute, la mette diffé dans tout Paris. Nous connaissons ça. Gon bagay yo le courage, mes amis. Faut me gagne courage. Si je ne t'ai pas les frères, je me dis, ayons des couilles.
courage, c'est la capacité d'affronter la mort. C'est pas courir pour nous courir. C'est pas cacher pour nous cacher. Nous faisons payer à tout le monde bagaille. L'homme qui travaille dans l'État, il y a deux rendez-vous. Chaque jour, il y a rendez-vous pour le brasser. Et puis, on l'autre jour pour le toucher l'argent seulement. Pas qu'il travaille. Les sorties de bien, elles descendent en bas. De quel pays parlons-nous? Nous parlons de notre pays. Haïti, c'est gros pays lié, nous ne pouvons pas jouer avec elle. N'est-ce qu'à faire politique, mais de diffé dans le marché autour. Le gouvernement qu'on mettait, il propose, c'est opposition. Opposition mettait pour le faire terroriste même, pour le montrer que rien n'est pas fait dans le pays. Il faut qu'il y ait courage pour affronter tout le monde. Et c'est ça qui se mène ça. Il n'est pas possible pour le faire payer à tourner en bagaille. C'est quoi cette histoire? Ma soigneur, tout mettez du fait dans le marché. Parce qu'elle a perdu comme. Yo pas qui comme pour payer encore. Yo, mais qu'est-ce que tu fais? Qui j'en pour ça va faire? C'est gonflé pour nous gonfler, viens nous. Chef la police. Chef la police. Ou son garçon, garçon. Gonflé, viens nous. Ou pas qu'à venir ici à la. Guine qui ouais. Nèg qui te kidnappé. Nèg qui détruit le monde. Yo sous la croix là, yo c'est sécurité. Oui, c'est mes deal. Et je ne pas deal parce que je te connais. Moi, je deal parce que nous connaissons, nous faisons comme ça et puis je vais continuer. C'est de Haïti qui a parlé. C'est de Haïti qui a parlé. C'est bon, je vais te lier. C'est bon, je vais te lier. Je vais te la pas qu'à faire comme ça. Son jouet sérieux lié. Dix fait premier marché dans le pays a tant par l'infrastructure que par le mouvement de capitaux qui se fait deuxième n'en prend et puis nous venons là n'a pas les deux oui nous pas faire formation en police nous pas dit non qui ça qui fait tout bon vrai. Ça, sénateur, se dit, hein, pour que moun ne pas croit du tout les hôtes des paroles que Guédi fait les organes, Guédi fait des télévisions nationales là. Il n'y a pas de gué pour être pour dire non, on connaît que gros mesure prend, bagay ça va faire. Maintenant, ça fait tout travail, ça ou pas qu'à faire. Ça fait, policier ou pas qu'à toucher. Policier ou pas qu'à toucher parce que. Ça, Jovenel Moïse, président pays a te dit, c'est lui-même qui continue à plonger pays. Corruption, 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 corruption. Il n'y a pas qu'à jouer une copie pour payer, pipitio vrai. Il n'y a pas qu'à jouer une copie pour faire marcher normal vrai. Monsieur Fonge, pitié pour pays. Alors, comment on a fait jouer une copie? Puisque le premier ministre est d'accord, au directeur service autonome de l'État, ben tête li, ça les 15 000 dollars américains. Dans qui pays? Comment? Dans qui condition? Pour un homme? Monsieur le Président. Motion accordée. Président. Mais vraiment une motion. Moi, je pense que c'est une motion, ça ne va pas parler. Mais, sénateur, dis-moi, petit bagage là qui est important. Moi-même, pendant la petite là, m'a passé en bas, en déclaration, directeur général de la police l'a fait, qui. Passé dans le journal Le Nouvelliste 26 janvier. Côté moi là-dedans, directeur général de la police l'a dit, gagné 50 millions de gourdes, chèque zombie, qu'il arrivait récupérer le travail de contrôle li en de la police. Mais que sous ça, malheureusement, l'être là pour lui. Moi, ministre de l'Éducation nationale l'a dit, gagné 122 millions de gourdes. Chèque zombie que joigne et là, nous en 29 janvier 2018. Mais sénateur a fait annoncer là, il dit, gagné directeur organisme autonome qui baille tête au salaire de 15 000 dollars américains par mois. Moutale, mes présidents, c'est pas you know.
moi-même, de déclaration sénateur Dumont-Fer, à charge par nous, en tant que contrôleur, pour nous chercher qu'on est qui directeur général, qui côté, et pour qui ça, c'est l'Igbaï Tetli, $15,000 américains par mois. M'en dit acte de sa président, à un fait que de droit. Allez-y, sénateur. Président, ici à son assemblée lié, son sénateur qui dit, même bien qu'on est non directeur général ça. Sénateur du monde, dans même assemblée. Parler de courage. Qui t'a parlé de courage? Preuve, camarade. Assemblée pour payer à connaître tout. Directeur général ça qui a dilapidé, qu'est-ce l'État? Oui, c'est pour du monde, président. Oui. Merci. Merci, sénateur. Sénateur Dumont. Moi dis yo, m'ba di youn. Bon, oui, c'est et un... c'est ici, hein. Nous avons des couilles. C'est, oui, il nous faut des couilles. Oui. C'est ici, hein. Moi t'ai dit, premier ministre, là, quel est le salaire des directeurs des entreprises autonomes? Il dit, il pas qu'on est. Les deals pas qu'on est. Sans doute, les pas qu'on est toujours. Mabdil. Deuxièmement, ce jour-là, le ministre des Finances était présent. Ils ont reconnu que c'est un désordre. Parce que ça rapportait. Ils ont tout ensemble. AAN, ONA, BNC, etc. Ils ont tout ensemble. L'État espérait de eux seulement 684 millions de gouttes pour exercice qu'a fait là. Ça qui baille seulement à peu près 8 à 10 millions de dollars américains. Mes amis, nous ne pouvons pas privatiser l'État comme ça. C'est pas premier bagage, premier bagage qui grave là, c'est que président pays, premier ministre pays, les ministres de ce pays acceptent que un directeur entreprise autonome baille tête les salaires. C'est nous-mêmes ici, comme monde qui est devant le peuple, qui baille tête nos salaires. Non, le pas qu'à faire comme ça. Pays d'Haïti mérite un État. Le directeur de Faïs gagne $15,000 américains. Je ne pas songer chaque en particulier. Tout l'autre, c'est $12,000 américains. Nous-mêmes, président Sénat, on touche $12,000 américains. On ne voulait pas le deuxième personnage public de l'État. 80 000 good. Oui. De quoi parlons-nous? Alors, comme ça, peuple a toujours mangé la boue. Comme ça, peuple a toujours mangé roche. Comme ça, business, peuple a toujours pris du feu. Comme ça, peuple a toujours allé au Chili. Comme ça, peuple a toujours été internet. Et puis, on dit calme nous, à saluer un, à premier, à visiter à l'autre bord. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le chef de la police. Monsieur le responsable de la sécurité publique. Mais nous qui l'autre tout, nous qui subvention. Bon. Nous qui subvention, nous pas plus mal. Oui, et puis nous pas rapport. Non. Oui, oui, nous qui chauffeur. Maintenant. L'hôpital c'est nous. Voilà. Et bien parce que vous connaissez nous. Le sénateur Dumont, sénateur Dumont, continue avec ton intervention. Et j'allais demander pour finir. Il faut finir. Maintenant. J'allais rappeler aux responsables de l'État ici présent, de l'exécutif, de se rappeler de qui ils sont fils. Ils sont fils d'Henri Christophe. Ils sont fils de Pétion, ils sont fils de Dessalines. Ils n'ont pas le droit d'abdiquer. Ils n'ont pas le droit de prendre responsabilité et puis pour ne pas avoir de réponse. Merci en pile. Merci. La réponse. La parole maintenant au CSPN. Merci. S'il joue. Merci, honorable président du Sénat. En ce qui concerne mécanisme, c'est question honorable sénateur Naoum Marcellus.
En ce qui concerne l'explication sur le mécanisme de prise en charge des passés et des marchandes, on croit que nous répondons déjà à la question ça, même ma banon en petite précision. Un comité interministériel qui mettait sous pied le jour même de l'incendie. Comité ça, il est formé de ministre commerce, ministre intérieur, ministre conditions féminines et ministre affaires sociales. Mécanisme, méthodologie, c'est d'abord inventorier, n'est-ce pas vrai, toute machine qui sinistre. Machin en dedans d'abord, et puis évaluer ça qui dure après. Et le premier temps, gon ti subvention que n'a bay tout machin yo. Parce que machin ça, yo se sinistré. Mais dans le deuxième temps, nous pral pencher sous dossier yo au cas par cas. Parce que chaque machin gen réalité pa yo. Et à ce moment, au niveau de l'État, nous allons garder des mécanismes pour nous qui aller de subventions jusqu'à prêt que nous avons fait machines à rejoindre à un taux préférentiel. Ça, je dis taux préférentiel là, qui aller jusqu'à 0%. Ça, c'est le premier bagaille et premier et aspect de la question. Ça que vous posez. En ce qui concerne mes politiques, moi-même, je ne peux pas aventurer sous terrain ça. Comme moi dit, en ce qui concerne ma chéguerite, jusqu'à preuve du contraire, origine accidentelle, mais en ce qui concerne marché en fer là, enquête dans l'ouvri, j'aime te dire depuis dans l'introduction, nous pas écarté aucune possibilité, d'accord? Nous pas écarté rien, c'est-à-dire l'est ouvert, et c'est à la fin d'enquête, non, laisse ça, n'a pas capable de répondre à la question ça que vous posez. En ce qui concerne renseignement, je crois que depuis notre déclaration politique générale, nous avons parlé de services de renseignement. Et il y a des honorables parlementaires qui ont même posé la question, est-ce que ce n'est pas un SD que nous allons mettre, est-ce que ce n'est pas un service de renseignement politique que nous allons mettre. Mais il faut me dire que la réflexion a continué et nous allons aller, n'est-ce pas vrai, présenter à l'illustre assemblée en proposition de loi concernant service de renseignement. Mais nous sommes d'accord avec nous, il faut nous prendre temps nous pour nous mettre pour la société en bons outils. Mais cependant, entre-temps, si il y a un certain état sécuritaire dans le pays, si que nous sommes passés en belle fête décembre sans que pas de problème, malgré que les ouvriers du chaos, ils ont fait tout ce possible pour te mettre problème dans le pays. Si que nous sommes passés au carnaval, côté que nous pas gain au mort la donne dans le carnaval pour au prince, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est la rencontre inconditionnée de plusieurs séries causales parfaitement conditionnées. En ce qui concerne PDIM pour policiers, ça m'a quitté DG en répondant à une question ça, PDIM pendant le carnaval. En ce qui concerne la question honorable sénateur Larèche, en rapport avec police des pompiers, réparation véhicule pompiers, m'a rappelé nous que historiquement, la plupart de camions pompiers que nous gagnons qui en fonctionnement au niveau de la République, ce sont des camions pompiers usagés, oui. La plupart d'entre eux,
la plupart. Je crois que au courant tous sénateurs. La plupart, je reprends. Et un camion pompier qui usagé, qui sorti en service dans un pays étranger, même j'ai avec une ambulance usagée qui sorti dans un pays étranger, il n'a pas marché bien ici. Ça, c'est une réalité. Cependant, ça que m'kadzou que au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous sommes en train de prendre des dispositions pour nous doter toutes les villes moyennes du pays et les grandes villes du pays d'un système de pompiers. Et comme je t'ai dit tantôt, nous allons utiliser des engins qui sont plus appropriés à l'environnement. Nous. Côté que nous allons utiliser des camions, double cabine, et qui parle de réservoir d'eau là-dedans, qui parle de tout compte là-dedans, etc. Et camion ça, on n'a pas joué une pièce pour nous en Haïti, on n'a pas fait entretien camion ça mieux que gros engin que nous gagnons qui sorti dans un pays étranger qui est plus spécifique pour pays qui ont des gratte-ciel. Mais cependant, n'a pas gagné quand même pour Port-au-Prince, j'aime te dire tout à l'heure, un certain nombre de camions pompiers pour gros immeubles que nous gagnons parce que Port-au-Prince, son ville, cap modernisé, nous voyons que l'État a baillé le ton au niveau de cité administrative, non? Et qu'on y a, lorsque nous finissons asphalter, nous finissons mettre de l'eau potable, nous mettons énergie 24 sur 24 au niveau de Port-au-Prince et au niveau des grandes villes, investisseurs, y a venu suivre exemple l'État, laissez ça nous joindre de building comme ça dans Port-au-Prince, côté que nous avons l'autre Port-au-Prince, non avenir qui n'est pas trop lointain. Donc, je crois que je vais tout répondre à la question que l'ambassadeur a dit, que honorable sénateur Larèche dit, en ce qui concerne l'ambassade américaine qui compte nos bagailles. À l'instar des équipements de CNE que nous réparer, à l'instar de montage financier que nous fait, côté que pays en doté maintenant de d'équipements lourds pour, n'est-ce pas vrai, à que le ministère des Travaux publics pour l'utiliser, que le ministère de l'Agriculture gagne pour l'utiliser, que le ministère de l'Environnement gagne pour l'utiliser, sans que nous pas utiliser un goutte de l'étranger, nous pouvons faire même bagaille en tout pour pompiers. Et ma mesure pour me dire ça aujourd'hui, que nous avons 58 camions compressifs qui pourraient ramasser Fatra. Parce que un grand camion compressif, il a fait 4 voyages en l'autre camion normal qu'a fait pour ramasser Fatra. Toutes les grandes villes de la République, il a pas doté de camions compressifs et nous pourrons le mettre sous pied un système en collaboration avec les mairies, côté que l'affaire de Fatra, c'est un mauvais souvenir que l'a pillé en Haïti. Disposition pour éviter des incidents pareils. Nous pouvons utiliser les erreurs du passé pour nous mieux projeter nous dans l'avenir. Bien sûr, nous avons tout élément enquête qui va venir, qui va venir nous. Et tout élément ça va permettre nous-mêmes pour nous capables au niveau de l'État, pour nous capables mieux faire prévention en ce qui concerne les cas d'incendie en général et incendie de marché en particulier. En ce qui concerne l'intervention sénateur Dumont, les plus parler, les plus partager opinion, mais seul bagage que m'ta capable dire, que m'ta ka rassurer lui, c'est que une nan grande priorité que nous gagnons en tant que premier ministre de la République d'Haïti,
qui disposait de l'administration publique, c'est la réforme de l'État. Et réforme de l'État, elle est passée par la loi d'abord. C'est ainsi que très prochainement, nous allons le déposer dans le Parlement, après approbation au niveau du Conseil des ministres, de deux textes de loi qui pourront reviser le texte de loi de 2005 sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Côté que loi ça a été grand pile lacune là-dedans, nous reprenons et nous allons présenter loi ça. Ça permet que nous mieux, n'est-ce pas vrai, disposer de l'administration de l'État. Et ça, c'est le premier bagage là. Mais il faut me dire nous tout que déjà, nous travaillons sous loi organique chaque ministère. Loi organiste des organismes autonomes et déconcentrés de l'État. Côté que grand pile organismes autonomes de l'État qui paguent un conseil d'administration pour contrôler qui ça a fait. Donc nous-mêmes, nous allons travailler sur ça. Nous allons doter tout organisme autonome de l'État ça a eu, de conseil d'administration. Et si par hasard, bien sûr, il y a des rumeurs aussi que tu as des dérives côté que ou tu as des salaires faramineux, à ce moment, n'est-ce pas vrai, avec mécanisme que nous allons mettre sous pied grâce à collaboration parlement, nous sommes capables de contrôler le problème ça. Mais entre-temps, ce que j'aimerais quand même signaler et aux illustres parlementaires ici présents ce soir, c'est que au niveau de l'administration, nous prenons des mesures qui étaient des mesures qui courageuses, côté que nous voyons circulaire par toutes ministres, côté que nous disons pour ne pas aller dans la logique par contrat au niveau de l'État. Nous t'aimons, par exemple, au niveau de l'administration, on va parler des organismes autonomes, côté gen des directeurs qui ont des salaires qui étaient élevés, côté que nous gagnons des cadres qui ont des salaires qui étaient élevés. Maintenant, nous régularisons la plupart de ces dossiers, côté que contrat yo converti en nomination. Et nomination, ça y allait dans le cadre échelle de salaire que nous gagnons au niveau de l'administration publique. Kounia, nous gagnons en uniformisation que nous faisons dans le PCI gagnons au niveau de fonction publique nan, en général. Côté que, par exemple, un chauffeur qui est dans le ministère des Finances a touché même comme que un chauffeur qui est dans le ministère des Conditions Féminines, par exemple. Donc, c'est pour me dire non que nous sommes très concernés par rapport à problème ça et en tant que responsable n'a pas la porter des résultats et nous commençons déjà à porter des résultats à problème ça. La corruption, moi pas éterniser sur ça. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui parlons de corruption d'abord et c'est nous-mêmes qui commençons à agir contre corruption. Moi, pas parler des exemples, mais m'a seulement référé nous à des circulaires que nous-mêmes que nous fait sortir. Président, motion. Motion accordée. Président. Mais vraiment une motion. Président, moi, mes PM, moi, et m'a pas les PM, moi, comme si à prendre mauvais route devant nous. PM nous dit, c'est eux qui parlent de corruption. Et c'est ça, m'entendant, pile autorité à répéter. Bataille contre corruption pas une bataille nationale, ligne internationale. C'est dans sens bataille internationale là que tout le monde a parlé de corruption aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, PM n'a pas gagné fort à faire. Mais moi-même, comme parlementaire, m'a tenu PM à l'œuvre. Moi, j'ai entendu le président qui dit qu'il a combattu la corruption. Mais m'a tenu à l'œuvre. Par exemple, nous avons dit là, premier ministre, directeur général de police, il a récupéré 50 millions de goudes. Jusqu'à présent, moi-même qui suis sénateur de la République, je ne pas attendre à aller ton grain de marée gouin. Non, le monde qui te compte chèque ça, qui endosse, qui a la banque, qui change, qui mette dans la poche, qui a acheté bien avec elle.
Et c'est même bagarre là dans le ministère de l'Éducation nationale. C'est même bagarre dans le ministère intérieur. C'est même bagarre là dans la question de kit scolaire que vous avez demandé pour évoquer ministre des Affaires sociales, Bellevue, Affaires sociales là. Pourquoi il y a des gens qui ont arrêté dans la question de lutte contre la corruption? Et m'ta remé, puisque PM n'a pas volonté et président est volonté, au moins pour nous commencer à montrer que moun qui gagne 50 millions de goudio, c'est baptisant mime, c'est baptisant million, c'est baptisant mime moun qui gagne pouvoir en de pays. Au moins pour tout le monde égal devant la loi. Mais si nous mettons nos bouches, nous disons pas la comme ça, et puis m'a pas le commissaire gouvernement pour le président qui a passé code dans Pierre Mounio, président. Merci. Bon, c'est nous à l'oral.